Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une vidéo qui sera un room tour sur mon séjour. Je rentre dans la pièce, donc nous avons mon canapé qui est gris en cuir, c'est un gris anthracite qui n'est pas convertible, ça fait un an qu'on l'a. Les appuis-têtes ici sont réglables si on veut se reposer, se relaxer. Donc cette partie-là bouge. Nous avons le singe, c'est l'animal fétiche de mon fils. Il ne jure que par lui, n'est-ce pas? Alors, j'ai allumé la lumière parce que aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Ça, c'est un plafonnier qu'on a acheté il y a une semaine chez Leroy Merlin. Je vous avais fait une petite revue dans mon hall, justement, où j'en parlais un peu. Donc ici, c'est un vieux coffre que j'avais eu une vingtaine d'euros. Alors, on va enlever le camion de mon fils. C'est une vieille malle, en fait, que j'avais eu chez Emmaüs pour 20 euros. Il me semble, et je l'adore, ça fait des années que je l'ai. Ensuite, cette lampe que j'avais achetée à Saint-Malo, donc c'est du bois flotté, c'est en fait des lampes qui sont assez personnalisées puisque aucune ne se ressemblera, avec une grosse corde ici, et ça fait plus de 10 ans que je l'ai celle-ci. Et puis, moi j'ai rajouté ceci plus le petit cœur là. Pour. Ça casse un peu le cil parce que c'est. On voit que le thème de la mer ressort et moi je l'ai cassé avec un esprit romantique en même temps. Donc ça ne me déplaît pas. J'aime bien aussi. Derrière, nous avons une étagère. Trois étagères du moins sur laquelle j'ai reposé mes plantes et puis un petit une petite ardoise où on peut noter ce qu'on veut. J'avais eu ça à Noël par mon chéri chez Casa, ça fait 2 ans que je l'ai. Ils font des très très jolies choses. Alors c'est un bois vieilli. Ensuite les rideaux de chez Maison du Monde. Sont blancs, c'est un voilage avec du lin, donc il y a plusieurs matières, hein. Vous avez du lin couleur ficelle en haut, ensuite vous avez du lin blanc, du lin beige, enfin voilà, que j'avais payé, c'était 35 euros le panneau et puis j'avais eu un bon d'achat de 20 euros puisque c'est vrai que il m'est arrivé une tuile dans ma précédente commande, donc du coup pour compenser un geste commercial quoi. Ensuite là j'ai une plante que j'avais eue pour la naissance de mon fils et puis le pot, c'est un pot Médicis, alors on ne le voit plus parce que forcément la plante a poussé, mais c'est un gros pot comme ça qu'on peut mettre à l'extérieur, mais moi j'adore cet effet là un peu romantique, cet ton là. Et puis ça c'est un tabouret qui était marron chocolat et puis ben, je l'ai repeint en blanc et puis je l'ai vieilli au niveau des arêtes, donc ça me fait un porte-plante on va dire. Ensuite ce meuble-ci, c'est une enfilade que j'ai depuis très 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 longtemps, elle était à l'origine saumon et je l'ai repeinte en blanc et puis idem, j'ai vieilli toutes les arêtes en bronze et j'avais changé les poignées. Un vase avec du sable et puis des fleurs que j'avais eu chez Aldi, il me semble, pas très cher. Mon miroir. Et puis ça que j'avais eu chez Maison du Monde. Un petit ange qui était blanc, je l'ai peint en gris. Je peins tout, moi. Et puis ça, bon, c'est vieillot, mais bon, j'aime bien. Je mets un pot pourri. J'avais eu ça chez Emmaüs. À un moment de temps, j'allais beaucoup chez Emmaüs parce que je voulais trouver des objets que je pouvais personnaliser moi-même. Et puis, ben, j'étais contente. On retrouve le même pot, mais en beaucoup plus petit ici, hein, chez Maison du Monde que j'avais eu. Une boule de buis en plastique. Un bougeoir que j'avais eu chez Nose qui était en,
couleur marron, voilà. Et puis moi, je l'ai peint en blanc. Donc, et puis, allez, on retrouve les pompilles là. Et j'ai mis des bougies grises et blanches. Une plante dans le fond. Ensuite, on en vient à la table. Des housses de chaises que j'avais eues. Eurodif ou Maison du Monde, je ne sais plus. J'en ai deux blanches, ici. Et ces deux-là, je les ai faites moi-même. J'ai en fait repris le même modèle, ici, de la blanche. Parce qu'au départ, j'en avais des bordeaux et marron chocolat. Parce que ma déco était chocolat et rouge. Et puis, je me suis lassée au bout d'un moment. Donc, j'ai changé. Et, j'ai racheté des housses de chaises blanches. Et puis, il me semble que les autres, c'était des couleurs taupes. Donc j'ai rechangé, j'ai enlevé mes taupes parce que moi je veux du blanc et du gris, bon un peu de taupe quand même. Et puis bon ben celle-ci que j'ai réalisée, j'en ai fait deux mais c'est assez long. Voilà. Avec le petit pli là, ici. Donc j'en ai deux comme ça. Voilà. Et puis ici j'avais eu le petit set comme ça qui est du silicone. Gris anthracite que j'avais eu chez Centre Accord pour 1 €. Le petit vase là, enfin le petit vase il est assez volumineux quand même. C'est une, je ne sais plus, pas une cloche, mais je ne trouve plus le mot. Bref, j'avais eu ça à Maison du Monde. Le sable, je l'avais eu à Centre Accord, du gris anthracite, du blanc. Et la grosse bougie grise, comme ça, je l'avais eu Maison du Monde. Ensuite. Ici, c'est un cadre que j'ai réalisé. En fait, j'avais dégoté ça, un entourage de cadre comme ça qui était, je sais plus la couleur. Je sais pas si c'était marron foncé ou. Je l'ai repeint en blanc et puis sur toutes les moulures, j'ai passé du bronze. C'est une peinture acrylique que j'avais trouvé ça au rayon. Bricolage au Leclerc et puis j'ai essuyé avec la pointe de mon pinceau sec mais vraiment en touche très légère et j'ai balayé toutes les moulures de mon cadre. Voilà. Ensuite au dos moi j'ai collé une baguette, voilà, en travers, et j'ai mis ce bouquet que j'avais trouvé chez Ikea qui est dans les tons écru, beige, moi j'aime beaucoup. Et puis ben, j'ai collé un cœur parce que j'aime bien j'adore les cœurs. Voilà. Ici un bougeoir que j'avais trouvé dans un vide-grenier qui était à l'origine bronze. Et puis je l'ai repeint en gris. Et puis ensuite, avec de la peinture blanche, ben, j'ai refait sortir toutes les parties apparentes. Voilà, et puis j'ai mis des bougies blanches. Ici, ça c'est un cadeau de mon fils, le troisième. Mes petites poules, parce que j'adore les poules. Regardez comme elle est mignonne celle-là. Cadeau de mes beaux-parents, celle-ci aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce meuble-ci que j'avais, c'est super joli avec le pot de mon fils. Ce meuble-là qu'on avait trouvé dans la cave de cette maison parce qu'on a acheté la maison et on a récupéré des meubles qu'une grand-mère voulait se débarrasser car elle partait en maison de retraite. Donc du coup, on a récupéré des grosses armoires, le lit de mon fils en l'occurrence. Bon, c'était un lit assez rustique, marron foncé, et je l'ai repeint en taupe. Mais d'ailleurs j'ai fait une petite démonstration dans une vidéo. C'était un lit tout neuf, un matelas tout neuf, encore sous plastique, et puis j'ai fait du neuf avec du vieux, si on peut dire ça comme ça. Donc ce meuble là que j'avais récupéré aussi, qui était donc un meuble que je l'ai peint en blanc. Et puis pareil, hein, pour aller avec le restant des meubles, j'ai appliqué sur les arêtes une peinture acrylique pour faire ressortir un effet vieilli, bois, patine. Ensuite, j'ai une autre étagère ici qui est dans le même principe que l'autre qui est là-bas, là. Toujours chez Casa, que j'avais eu également en cadeau par mon chéri
C'est des étagères, genre escabeau, où on met les plantes. Ce gros pot-là, je l'avais eu chez peut-être Maison du Monde, je ne sais plus. Ces boîtes-là, c'était Ikea, ça fait des années que je les ai. Ça, c'est un pot que j'avais récupéré. Là, c'était une fausse plante avec un pot gris usé. Une orchidée qui ne fleurait plus, qui n'a plus de fleurs. Des cactus en bougie. Et puis ben, ma plante ici. Voilà. Ensuite, ces petits cadres que j'ai réalisés moi-même. Alors, c'est en fait des cadres qui se font 20 sur 20. Ça rappelle un peu le lin. Hein. Puis dessus, j'ai collé des vieilles cartes postales que j'avais de Saint-Malo parce que moi, je viens de là-bas. J'adore cette ville-là. Saint-Servan, ici, pour celles qui connaissent. Et puis, j'ai ajouté un morceau de tissu que j'ai cousu pour que ça puisse donner cet effet-là. Je les ai cloués ensuite aux deux de chaque cadre. Et puis, j'ai rajouté un pompon que j'ai piqué sur un autre cadre. Du coup, sur l'autre, il n'y en a plus qu'un. Ça fait un peu bizarre. Il faudra peut-être que je l'enlève. Ensuite, table blanche. C'est à mon chéri. Un plateau que j'avais acheté à Saint-Malo, il était beige à l'origine. Il a été repeint en rouge. Là, je l'ai repeint en blanc pour aller avec le reste. Et puis là, vous avez un petit présentoir à bougies gris comme ça, j'aime bien, que j'avais eu chez Tati. Et moins de 10 euros, hein, la boutique en ligne. Et puis ici, bah, ma télé, les boîtes de mon fils. Livres, puzzles, etc. Et puis, ici, bon, c'est des photos. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Le coffre à jouets de mon fils. Et puis, mon tapis, Shaggy, les taupes, là. Ces cadres-là, que j'ai fait également. Alors, je me suis basée sur des modèles que j'avais eu chez Centraccord. Donc, c'est les deux ici, toc et toc. Et puis, j'ai racheté d'autres cadres blancs que puis j'ai essayé de reproduire la même chose. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Et puis, ben, ça, c'est ma cuisine. Voilà. Bon, ben, je crois que j'en ai terminé pour ce petit room tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis bye bye et à bientôt. Au revoir, petit singe.